Bonjour chers amis, je réponds au nom de Madame Yambolet, Reine Valérie, directrice de l'EPP Jéricho-Cé, circonscription scolaire de Cotonou-Lagune, région pédagogique numéro 29. Je suis là ce matin avec vous pour réviser une fois encore comment se fait la division des nombres décimaux. Voilà, vous avez déjà appris à faire beaucoup de divisions sur les nombres entiers. Pour commencer, je vous rappelle que un nombre décimal est un nombre à virgule, vous le savez. Donne-moi un exemple de nombre décimal. 0,2, c'est bon. Un autre exemple de nombre décimal, 14,50, c'est bon. Sur ce, nous allons commencer avec notre première opération. Alors, tu as ici 324 divisé par 4,5. Qu'est-ce que tu constates? Très bien, que ces deux nombres-là sont des nombres à virgule. Très bien. Ici, il y a combien de chiffres après la virgule? Un chiffre, c'est bien. Et là, combien de chiffres après la virgule? Deux chiffres. Très bien. Dans la division, comment appelle-t-on le nombre qui se trouve ici? Oui, c'est bien, ça s'appelle le diviseur, c'est bien. Et ici, le dividende. D'accord. Tout à l'heure, ce que nous allons trouver ici, comment on va l'appeler? Le quotient. Et là, nous aurons le reste. Très bien. Bien. Regardez, vous avez vu que ces deux nombres-là sont quel genre de nombres? Oui, ce sont des nombres décimaux. Très bien. Alors, au diviseur, nous avons un nombre décimal. Au dividende aussi, un nombre décimal. Vous avez déjà dit le nombre de chiffres que nous avons après la virgule. Au diviseur, on a le nombre décimal 4,5. Est-ce que je peux faire ma division avec ce diviseur décimal? Nous allons rendre ce diviseur-là entier. Alors, qui peut me dire à peu près? Alors, oui, je sais que vous connaissez. Nous allons supprimer la virgule. En supprimant cette virgule-là au diviseur, cela signifie que je multiplie le diviseur par 10. D'accord? C'est très bien. Donc, je l'ai multiplié par 10. Donc, je déplace la virgule d'un rang. Ici, c'est quel côté? C'est ma droite. Donc, je déplace la virgule d'un rang vers la droite. Très bien. Et comme il n'y a plus de chiffres à ma droite, il n'y a que le 5 qui vient après la virgule, le nombre devient alors le nombre entier 45. D'accord? Très bien. Est-ce que nous allons laisser le dividende comme ça? Ce que j'ai fait au diviseur, je l'applique également au dividende. Donc, je vais aussi faire quoi? Oui, c'est bien. Je vais aussi multiplier le dividende par 10. Je déplace alors la virgule de combien de rangs? Oui, très bien. D'un rang, de quel côté? Vers la droite. C'est bien. Très bien. Alors, qui va me lire l'opération que nous avons à effectuer maintenant?
Nous avons 32,4 à diviser par 45. Tout le monde me suit. Je vais effectuer l'opération. D'accord? C'est bien. J'ai 32,4 divisé par 45. Quand vous prenez là 32 et 45, vous voyez que le nombre 32 est plus petit que le nombre 45. Donc, en combien de fois je prends en même temps ces deux chiffres en 32, combien y a-t-il de fois 45? Je dirais que c'est 0 fois. D'accord. Et après, le nombre 32. Je mets quoi? Oui, là-bas, je mets la virgule où? Au quotient. Très bien. Est-ce que l'opération est terminée? Donc, je rabaisse encore ici le nombre 32 et j'abaisse le nombre suivant qui est 4. J'ai maintenant 324 divisé par 45. D'accord? En 324, combien y a-t-il de fois? 45 ou en 32, combien y a-t-il de fois? Il y a 7 fois. 7 fois 5, 35. 35 ôtés de 44, je vais dire ici, il me reste 9. Et je retiens 4, 7 fois 4, 28. 28 et 4 égale 32. 32 ôtés de 32 ici. Il reste 0. Je peux continuer, donc j'ajoute un 0 ici au nombre que j'ai pour reste. Ça fait 90 divisé par 45. Il y a combien de fois? Il y a 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 sauté de 10, il reste 0. Et je retiens 1. 2 fois 4, 8. 8 et 1 égale 9. 9 sauté de 9. Il reste 0. Donc, vous avez vu que pour cette première division, où le diviseur était un nombre décimal, qu'avons-nous fait? Oui, là-bas, très bien, nous avons rendu le diviseur entier en le multipliant par 10 et on a, pour le multiplier par 10, on a déplacé la virgule d'un rang vers la droite. Alors, on n'effectue jamais une division avec un diviseur décimal. C'est pour cela que nous avons rendu notre diviseur entier avant d'effectuer l'opération. Nous prenons la seconde opération. Vous me suivez? Très bien. On a 14,75 divisé par 0,25. Qu'est-ce que vous constatez encore pour ces deux nombres? Tu constates que ce sont des nombres décimaux aux dividendes comme aux diviseurs. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Je dois rendre le diviseur entier. Vous voyez combien de chiffres après la virgule ici? Deux chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire que ici, est-ce que nous allons encore dire qu'on va multiplier par 10, c'est deux chiffres après la virgule, alors on dit quoi? Très bien, très bien, très bien. Nous allons le multiplier par 100, parce que nous avons deux chiffres après la virgule. Donc voilà, quand nous supprimons, nous avons multiplié par 100, il y a 25. Je fais la même chose aussi au dividende. Voilà, donc l'opération devient 14,75 divisé par 1475 divisé par 25. Très bien, on me suit. J'effectue l'opération. Alors là, j'ai 4 chiffres, là j'ai 2. Je choisis d'abord en 147, combien y a-t-il de fois 25? Il y a 5 fois. 5 fois 5, 25. 25 ôté de 27, il reste 2, et je retiens 2 là, 5 fois 2, 10, 10 plus les
deux que j'avais retenu, ça me donne 12. 12 moins ôté de 14, il reste 2. Est-ce que les chiffres sont terminés? Non. Nous allons rabaisser maintenant. Quoi? Très bien. Le chiffre suivant qui est 5. Et je continue. Je dis en 225, combien a-t-il de fois? 25, il y a 9 fois. 9 fois 5, 45. 45 côté de 45. Il reste 0. Et je retiens 4. 2 fois 9, 18. Ou 9 fois 2, 18. Plus 4, 22. 22 côté de 22, il reste 0. Donc ici, le diviseur était... On l'a rendu entier en le multipliant par 10 et en déplaçant la virgule. Ici, on a fait par 100. On me suit toujours. On n'a pas fini. On continue. Nous prenons notre troisième opération. 1,750 divisé par 0,125. Qu'est-ce que je dois toujours faire, cher ami? Je dois toujours rendre le diviseur entier. Très bien, vous suivez. Donc, ici, j'ai combien de chiffres après la virgule? Très bien, nous avons trois chiffres après la virgule. Alors, si je, ça veut dire que je vais multiplier mon diviseur par combien pour le rendre entier? Ah, très bien, tu es super. Par 1000 cette fois-ci. Donc, je supprime. Alors, si c'est par 1000, trois chiffres après la virgule, 3 zéros là-bas, donc ça devient 125. Ici aussi, je fais la même chose. Je supprime. J'ai alors 1750. C'est bon? Qui me lit alors l'opération? L'opération devient alors 1750 divisé par 125. Très bien, cher ami. J'effectue. Je prends 175. En 175, combien y a-t-il de fois? 25, il y a une fois. Une fois 5, 5. 5 côté de 5. Il reste 0. Une fois 2, 2. 2 côté de 7. Il reste 5. Une fois 1, 1. Il reste ici 0. Est-ce que mes chiffres sont finis? Non, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Très bien, je rabaisse le chiffre suivant qui est 0. Je dis alors en 500, combien de fois? 125. Oui, qui me donne la réponse? Très bien, il y a 4 fois. 4 fois 5, 20. 20 au tête de 20. 0, je retiens 2. 4 fois 2, 8. Et 2, 10. 10 au tête de 10, 0. Et je retiens 1, 4 fois 1, 4 et 1, 5, voilà. Très bien. Alors, nous venons d'effectuer trois différentes sortes d'opérations sur les nombres décimaux. Alors, qui me résume rapidement ce que nous avons fait à chaque fois? Oui, très bien. Dans le premier cas, nous avons rendu le diviseur entier en supprimant la virgule. Ça veut dire que nous avons multiplié le diviseur par 10. Là, oui, très bien, par 100. Et ici, par 1000. Qu'est-ce que je peux alors conclure? Oui, très bien, oui. Que tu as dit d'abord qu'on n'effectue jamais une division avec un diviseur décimal. Très bien, faites-lui un bon là-bas. Très bien, voilà. Donc, il faut toujours rendre le diviseur entier. Et pour le rendre entier, qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? On l'a multiplié par le diviseur par 10, 100 ou 1000. Oui, selon quoi? Selon le nombre de chiffres qui se trouvent après chaque virgule. Très bien. Donc, ce que vous venez de dire, vous allez l'appliquer sur ces deux opérations rapidement.
Oui, ceux qui ont fini, lève le doigt. Oui, c'est bon, d'accord. Oui, montrez, je vous... Ah, c'est bien. Donc, je corrige rapidement. Vous suivez? Très bien. Je commence par faire quoi? Oui, derrière là-bas. Voilà, je dois rendre le diviseur entier. Oui, je supprime la virgule, ça veut dire que je l'ai multiplié par combien? Il y a combien de chiffres après la virgule? Un chiffre par 10. Très bien. Donc, je fais la même chose ici. J'ai alors 146 divisé par 5. En 14. Combien de fois? Et 5. Il y a 2 fois. 2 fois 5. 10. 10 ôté de 14. Il reste 4. Et j'abaisse le chiffre suivant qui est 6. En 46, combien a-t-il de fois 5? Il y a 9 fois. 9 fois 5, 45. 45 ôté de 46. Il reste 1. Je peux continuer. J'ajoute un 0 ici et je place ma virgule en 10. Combien de fois 5? Il y a 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 ôté de 10, il reste 0. Alors, monte. Voilà, c'est bien. La seconde opération, on a 29,58 divisé par 0,51. D'accord? Je fais toujours quoi? Oui, la fille qui est au milieu là, très bien. Je vais toujours rendre le diviseur en un nombre entier. Je le fais comment? Oui, très bien. Je supprime la virgule. Ça veut dire que je l'ai multiplié par combien? Par 100. Parce que nous avons combien de chiffres après la virgule? 2 chiffres. Très bien. Là aussi, je le fais. Et j'effectue maintenant l'opération. D'accord? Cela devient 2958 divisé par 51. Je prends d'abord les trois premiers chiffres. 280, en 295, combien a-t-il de fois 51? Il y a 5 fois. 5 fois 1, 5. 5 côté de 5, il reste 0. 5 fois 5, 25. 25 côté de 29, il reste 4. J'abaisse le chiffre suivant qui est 8. En 408, combien y a-t-il de fois 51? Il y a 8 fois. 8 fois 1, 8. 8 au tête de 8, 0. 8 fois 5, 40. 40 au tête de 40, 0. Très bien. Alors, je retiens quoi? Que pour, oui, continue, j'écris. Pour diviser un nombre décimal, oui, je t'écoute, vas-y, un nombre décimal par un nombre, continue, je t'écoute, par un nombre décimal, oui, je rends. Je rends le, oui, c'est bien, le diviseur entier, oui, continue, en le multipliant. Par 10, oui, 100. Ou 1000, continue. Selon quoi? Selon le nombre de chiffres selon le nombre de chiffres
Après, la virgule, très bien. Est-ce que c'est fini? Je fais la même chose où? Au dividende, très bien. Je fais la même chose au dividende. Là, le dividende, quand tu le fais, ça peut ne pas être un nombre entier. Ou bien, donc je fais la même chose et c'est après ça que j'ai fait. Très bien. Je fais la même chose au dividende et enfin, très bien, j'effectue l'opération. Très bien. Tu vas l'appliquer aussi en évaluation avec ces deux petites activités. Activité A et B. Rapidement. Oui. Très bien. On corrige. D'accord. On a 65,25 divisé par 4,35. Oui, je fais comment? Je rends. Oui, le diviseur entier. Je multiplie par 100. Je supprime la virgule. Là aussi, ça devient alors 6525 divisé par 435. J'effectue rapidement. En 652, combien a-t-il de fois? 435, il y a une fois. Une fois 5, 5. 5 au lieu de 12. Il reste 7 et je retiens 1. Une fois 3, 3 et 1, 4. 4 au lieu de 5. Il reste 1. Une fois 4, 4. 4 au lieu de 6. Il reste 2. Je rabaisse le chiffre suivant qui est 1. En 2175, combien y a-t-il de fois? 435. Il y a 5 fois. 5 fois 5, 25. 25 au lieu de 25. 0 et je retiens 2. 5 fois 3, 15 et 2, 17. 17 au lieu de 17, 0 et je retiens 1. 5 fois 4, 20. 20 et 1, 21. 21 au lieu de 21, 0. Très bien. Nous prenons rapidement la seconde opération. 100,98. Oui, continue, lis-moi. Divisé par 5,61. Je fais toujours quoi? Très bien, je rends le diviseur entier. Je supprime la virgule, ça veut dire qu'il y a combien de chiffres après la virgule? 3 chiffres. Je l'ai multiplié par 100. Je fais la même chose ici au dividende. Et j'effectue l'opération. Ici, j'ai 3 chiffres. Ici, j'en ai 5. Là, 100 est plus petit que 56. Donc, je dis à 1009, combien y a-t-il de fois 561? Une fois. Une fois une. Au lieu de 9, 8. Une fois 6, 6. 6 au lieu de 10. Il reste 4 et je retiens 1. Une fois 5, 5. 5 et 1, 6. 6 au lieu de 10. Il reste 4. J'abaisse le chiffre suivant qui est 8. 4488, combien de fois? Et 561, il y a 8 fois. 8 fois 1, 8. 8 au lieu de 8. Il reste 0. 8 fois 6, 48. 48 au lieu de 48, 0. Et je retiens 4. 8 fois 5, 40. Et 4, 44. Voilà. Très bien. Voilà. Chers amis, nous sommes à la fin de notre séquence de classe. J'espère que tu as bien suivi. Tu vas continuer les activités à la maison dans ton manuel de mathématiques.